Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez bénéficier du chèque santé du Conseil général en 2012. Vous avez reçu un courrier par la poste vous informant sur le nouveau mode de fonctionnement de ce chèque santé, sur le montant et surtout sur les améliorations qui seront apportées par le Conseil général de la Réunion à compter du 1er janvier 2012. Le chèque santé étant accordé sous conditions de ressources, il a notamment été décidé de revaloriser son plafond à 937 euros par mois pour une personne. Les modifications apportées visent donc à rendre le dispositif plus simple, plus rapide et plus avantageux pour tous les bénéficiaires. De plus, du fait de l'augmentation de son plafond, le chèque santé touchera aussi plus de personnes âgées. Le plafond de ressources pour l'aide à la complémentaire santé de la CGSS sera augmenté à compter du 1er janvier 2012. De ce fait, l'ensemble des bénéficiaires du chèque santé auront donc droit à l'aide à la complémentaire santé. L'aide du Conseil général sous forme du chèque santé sera de 360 euros par an à compter de cette même date pour tous les bénéficiaires, en complément de l'ACS, ce qui vous permettra de payer votre mutuelle ou votre assurance santé. Vous êtes dans l'une des deux situations suivantes. Vous perceviez 60 euros par mois. Eh bien, à partir de 2012, vous percevrez 30 euros par mois de chèque santé, soit 360 euros pour l'année, auquel se rajoutera l'aide annuelle de 500 euros de la CS. Étant donné les nouvelles mesures et du bénéfice de l'aide à la complémentaire santé de la CGSS, vous pourrez toujours payer votre mutuelle. Ou alors, vous perceviez 30 euros par mois et rien ne changera pour vous. À noter, si votre ACS arrive à terme dans le courant du premier trimestre 2012, pensez dès à présent à constituer votre demande de renouvellement auprès de la CGSS. Si vous aviez eu un refus pour l'ACS en 2011, il faudra faire une demande auprès de la CGSS dès le 1er janvier 2012. Vous recevrez ensuite votre courrier d'acceptation d'ACS dans un délai maximum de 2 mois. Muni de cette réponse, vous recevrez votre chèque santé après avoir effectué votre demande auprès du Conseil général. Les montants du chèque santé ne sont pas remboursables par les héritiers. Désormais, les dates d'effet du chèque santé seront les mêmes que celles de l'ACS pour une durée de 1 an. Si vous désirez compléter votre information sur ces nouvelles dispositions, n'hésitez pas à appeler au 0262 28 98 28 pour le Nord, 0262 96 92 89 pour le Sud, 0262 46 58 18 pour l'Est et 0262 55 47 47 pour l'Ouest, dans la journée du lundi au vendredi. Des personnes compétentes et attentives vous répondront. Le chèque santé, un service unique en France qui permet à tous nos aînés d'accéder aux soins dans les meilleures conditions.